Yo tout le monde, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur cette chaîne YouTube. Aujourd'hui, petite expérience sociale. On est actuellement à Ottawa, donc une ville censée être bilingue. Donc je vais aller demander aux Canadiens s'ils parlent français. Pourquoi elle est censée être bilingue? Parce que là, on est côté Ontario et juste là-bas, c'est le côté Québec en fait. Donc ça parle français. Donc c'est vraiment une ville qui est censée parler d'un côté français, d'un côté l'anglais. Donc on va aller demander aux Canadiens s'ils sont sortis parce que ça a l'air un petit peu vide vu le froid. Happy day, y'a pas un chat? Il fait moins 1000 degrés. J'ai un petit décompte des gens qui parlent français, des gens qui parlent pas français et un bonus spécial de ceux qui ne nous répondent pas tout simplement et qui auront peur de nous, qui vont regarder. J'en profite pour tous ceux qui sont nouveaux, n'hésite pas à t'abonner sur la chaîne, lâche un petit like si cette vidéo t'a plu et let's go pour cette vidéo. Bye. Et demain. Bye. Have a good one. Hi, you too. Hello. Excuse me, do you speak French? Oh, sorry. No problem, bye. Et un de plus, ça fait trois qui parlent pas français. Et zéro. On est mal. Hello. Excuse me, do you speak French? No. No, no problem. Never mind. J'enchaîne. Hello. Et un qui a crêpé. Le premier. Hello. Excuse me, do you speak French? Oui. Vous parlez un petit peu français? Oui. Très bien. Oh, c'est pour savoir, c'était une expérience sociale. Okay. Très bien, merci à vous. Bonne journée, au revoir. Et le premier français. Et donc du coup, là, on fait semblant de parler parce qu'on va croiser quelqu'un et je suis un petit peu pressé et je vais demander à la dame dans 3, 2, 1. Hello. Excuse me, do you speak French? Oui. Vous parlez français? D'accord, mais c'était une expérience sociale pour savoir si tous les Canadiens parlent français ou non. Oh. Vous êtes à Ottawa du coup? Non, désolé, je vis dans la région de Simcoe. Simcoe, ok. Oui, c'est au Québec? Non, c'est à l'Ontario, je suis franco-ontarienne. D'accord, très bien. Bon, merci à vous. Bonne journée, c'est gentil. Hello? Hello? Excuse me, do you speak French? Yeah. Un petit peu? Un petit peu. D'accord, c'est bien, ouais. C'était une expérience sociale pour savoir si tous les Canadiens parlent français ou non. Vous pensez que oui? La plupart ou combien? La plupart bilingue du moins. Mais ici c'est un peu différent parce que nous sommes en Ottawa. Donc yeah, voilà, c'est ça la limite avec Québec et Ontario. Je pense que probablement dans le pays, moi je dirais 35%. Oui, avec toute la partie Québec qui est plutôt grande. Ouais. Ok. Et vous apprenez à l'école sinon en cours, etc. Moi je l'ai appris à l'école secondaire et en email et en français. Ici à l'université d'Ottawa, je pense que l'université d'Ottawa c'est la seule qui offre les deux, l'anglais et le common program. Dans tout le Canada? Oui, dans tout le Canada. Okay. Mais ça dépend aussi de votre définition de la bilinguisme. Mais là déjà votre niveau c'est un très bon niveau déjà. Merci. Déjà c'est un très bon niveau. Vous connaissez des petites expressions françaises? Des expressions? Quelques-uns. Quoi par exemple? Tirer un bûche. Ça c'est l'expression québécoise en fait. Oui. Comme la France est de la France. Oui. Connard, c'est asshole en français. C'est de ça. Mais non, la plupart des expressions que je connaissais, c'est québécois. D'accord. Ok, monsieur Tristan, c'est très bien. Ok, merci. Mais merci beaucoup. Hello. Excuse me, do you speak French? Sorry, what? Do you speak French? A little bit. Ok, just une expérience sociale. Je voulais savoir si tous les Canadiens parlaient français. Est-ce qu'on vient de France? Ben, je peux parler français, mais c'est pas tout le monde en Canada. C'est pas tout le monde au Canada? Mais là, c'est parce qu'on est à Ottawa, donc c'est particulier. Oui, à Ottawa, on a beaucoup de personnes qui peuvent parler français parce qu'on a, on a besoin de travailler parce que d'accord. En Québec aussi, tout le monde, on veut parler en les deux langues pour. Ok, c'était pour savoir, mais merci pour votre petit temps et. Hello! Okay. J'allais pas me mettre devant. Je voulais demander, mais elle était tout face et j'ai failli me faire écraser, reculer! Petit update, du coup, là, on vient de tomber sur pas mal de gens qui parlent français, donc c'est cool. Je prends Léa, 3, 3 et 1 qui a ignoré. Donc, go continuer la chasse aux informations. Let's go. Hello. Excuse me, do you speak French? Oui. Ok, c'était une expérience sociale pour savoir si les Canadiens parlaient français ou pas. Oui. Voilà, ok, mais j'ai mon information. Merci à vous, bonne journée. Et en plus, bon, mais au final, on était tombé que sur des gens qui parlaient pas français, mais là, on vient de tomber que sur des gens qui parlent. Je pense que c'est vraiment les gens qui travaillent ici, ils ont besoin d'être bilingues pour le travail. Hello. Excuse me, do you speak French? Oui. Ah, voilà, je me faisais juste une petite expérience pour savoir si les Canadiens parlent français, parce que je viens de France. Oui. C'était pour savoir. Désolé de vous avoir dérangé. Ah, d'accord. Mais très bien. Merci à vous. Bonne journée, bye bye. Il m'a mis la pression, lui. Il m'a mis la pression. J'ai cru que j'allais me faire écraser par sa pression spirituelle. Oui. Oh, gros. J'ai commencé à me chier dessus. Mais tu sais que, gros, genre, il m'a dit. Excuse me, do you speak French? Oui. Ah, voilà, je me faisais juste une petite expérience pour savoir si les Canadiens parlent français, parce que je viens de France. Oui, oui. Ah, parce qu'à la fin, elle a lâché un sourire. Donc j'allais. Mais c'était. Oui, oui. Genre, oui, oui. Et alors, gros, j'ai cru qu'il allait me mettre un coup de sabot, gros. Hello. Excuse me, do you speak French? No. No worries. Bye.
Je vais demander à lui. Hello. Excuse me, do you speak French? Not really. No? Okay, no problem. Bye. Hello. Excuse me, do you speak French? Oui. Ah, ok, c'était pour savoir si c'est une expérience sociale, parce qu'on est français, et on voulait savoir si les Canadiens d'Ottawa parlent tous français ou pas. Ok, mais pas tout le monde, mais... Pas tout le monde, mais la plupart. Vous venez du côté Québec ou d'Ontario? J'étais plutôt élevé au Québec. Ok, d'accord, très bien. Bon, c'est gentil, merci. Bonne journée à vous. Bye. Bye. La triplette ou pas la triplette? Il commence déjà à faire nuit, alors qu'il est quoi, 16h30. Du coup, je pense qu'on va essayer de trouver encore quoi, une ou deux personnes, et je pense qu'après, on s'arrêtera pour la vidéo d'aujourd'hui. Je crois qu'il y a quelqu'un derrière moi, je vais peut-être lui demander. Hello. Excuse me, do you speak French? No, no problem. A de plus. Là, j'ai fait la code triplette. Donc, je pense qu'on va rester sur ça. J'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, n'hésite pas à laisser un petit like. T'abonner, c'est pas déjà fait, parce que je vois qu'il y a pas mal de personnes qui regardent les vidéos sans être abonné. Peut-être le petit oubli. On refera sans doute une partie 2 en posant des questions différentes. Donc, est-ce que les Canadiens sont-ils bilingues, oui ou non? La réponse est 50-50, du moins pour Ottawa, parce que c'est moitié Ontario, moitié Québec, c'est la limite. That's it. Merci à vous d'avoir suivi la vidéo jusqu'à la fin. On se retrouve très rapidement pour une prochaine vidéo. C'était Rafale. Prenez soin de vous.